Juste après avoir vu la première partie de l'affaire Pasteur Guili contre les Amazones du Congo, ou plutôt on dira le Pasteur Guili contre le docteur Mukwege, vous venez de voir ça. Là maintenant, il nous a écoutés, nous avons fait cette vidéo qui a fait le tour du monde. Il nous a écoutés et hier, il a présenté ses excuses dans une émission. Dans son émission propre, il a présenté ses excuses. Bon, écoutez, on va prendre ça comme étant des demi-excuses au docteur. Et aussi par rapport à la corporation des gynécologues. J'aurais bien fait un avant-après, parce que c'est presque ça, mais je préfère faire un no comment pour l'instant. Je parlerai après ces soi-disant excuses au pasteur Guili Assali, Bonanamo Sikoyo, et on se retrouve juste après. Togo bandana sujet ya liboso docteur Mukwege avant to kota na premier sujet balobi réseaux sociaux et peli moto na Afrique nazi na États-Unis partout pasteur Gilia Tumbimboka pasteur Gilia manque respect na ba gynécologue parce que Afingi. Afingi Oui, parce oui. que Azali ba on bazana contact toujours na ba na pareil génitaire ba maman za malédiction et tout ça et puis ba maman et célibat et tout ça il y a beaucoup de choses qui se disent qu'est-ce qui s'est passé finalement? Merci beaucoup. Les commits, c'est d'abord Pasteur Guili. Oui. Il y a un moment, il faut vidéo et tamboula. Ndenge etamboli ndenge wana et namoni même batitre à bateau Pasteur Guili a fini. C'est aujourd'hui, ndena ce qui est mon malédiction et ingé. On a ce que nous recevons directement dans la Bible. Tant que nous avons maudit l'homme qui s'est confié en l'homme. Est-ce que donc, A a fini. fini battu mon malédiction. Moi, je crois que non. Il a une connotation. Ce n'est pas un insulte. Oh, le lomu takokocha, parce que a fini. Donc, le comité, moi, je crois, pour tout que nous sommes musicatés, tant qu'un humain, un acteur politique, un leader, ce qui va gêner, ou va soigner la rabiso, ma maman, va si bande konabiso, et qui va se sentir lésé. Par rapport, il y a un propos au pasteur Guilia Lobby. HD. Merci beaucoup, les comités. Donc, en tout cas, avec tous les respects, il y a Baminganga. Bah, gynécologue, surtout. Oui, bah, gynécologue, ou il y a soigné l'Arabie Saoudite, maman. Choqué quelques-uns et qui va se sentir lésé. Dans ma propos, il y a Pasteur Guili, tant qu'un homme, le quoi Moutounyonso, sincèrement, a présenté, bah, excuse. Je ne vais pas, à propos dans le contexte, que non, Pasteur Guili, à l'Oba qui boité, à l'Oba qui boité, à l'Oba qui boité. Choqué lésé, bah, tout. Naebi ke monokebe takalibaku, na présenté excuse nanga na morceau, oyo batu bazui, makambo bele bele. Mais qu'on parle, pasteur Guilé a fini, non. Moi, je crois que qu'on parle na mot maudire, c'est une connotation. Et ça, le quoi, un chef de l'État, l'obaki, na kanisa ki babande konso ka babandoki. Est-ce que le chef insulte qui batou? Je ne crois pas. Donc, batou ba luka bouke misérité, na moutou, il y a pasteur Guilé par rapport à ça. Mais par rapport, il y a corps médical. Oyo ngape na soigner kanaza ba kulu tukuna ba docteur Ilobos parce que Guili présente ses excuses y compris na la personne de docteur Mukwege pas docteur Mukwege comme politique comme médecin comme médecin OK comme médecin na musala na ye parce que Guili présente ses excuses oui. Voilà mais ba maman pe ba lobby association ba maman ba lobby comment cause na contact na nzoto na bango ba déjà malédiction est-ce que pasteur Guili a dit ma maman te tout ça. Est-ce que vous dénaturez déjà vous, Mangaraba, maman, respect? Non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas. Le comité n'a pas tout fongo la moelle comme au muké. Tant que pasteur Guili a parlé dans les Kambouya pour soigner ma maman. Toujours titre ya docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. Oui. Les lopes pasteur Guili, je continue pour expliquer un mot bien à plateau. Est-ce qu'il y a eu la paix dans l'Est? Pour bapé, ça y est, titre, il y a docteur de la paix. Est-ce qu'il y a eu la paix dans l'Est? Pourquoi pas ça a pris Nobel ouana? C'est ça la question. Oh, le loca même bisoto fandi, botozo mituna. Donc, les locaux là, bah multinational, bah j'ai cop moko, bah pesina oya biso, biso bah multinational, tozo saccagé, comme ça, yo, au réparé. Et c'est loco oya l'Obamaka, namino kaba congolais nyoso. Donc, c'est lui le réparateur de brèche. N'est-ce pas? Et l'Obama bon, le nom se passe le Guili à l'Obiango. Où est le problème? Le problème est que Babi Pasteur Guili aujourd'hui s'attaque, bon, pas Pasteur Guili, mais oui. Une paix s'attaque à Denis Mukwege parce que Denis Mukwege finalement
Aza, un candidat crédible, un candidat choisi déjà par l'Occident. Quand on voit déjà un ancien président français arriver le voir, le féliciter, quand on voit déjà la famille royale, Bazoya, comme on a eu, et puis de plus en plus, il y a beaucoup de personnalités, il y a Occident, Bazoya, Panaye, ça fait peur à l'UDPS. Alors, armée non conventionnelle, non, non, même pas, même pas en décomité, et comment il s'agit de peste. Le vrai problème na mituna na yo na intro na yo oui. Na préambule na yo émission olobi olobi appelle sa vraie facette na ye vraie casquette na ye est-ce que la personne de Mukwege ou docteur Mukwege parce que ce gars docteur Mukwege atikala directement na profession na ye mais ceux qui aligné appelle sa casquette politique accepté ba armée non conventionnelle c'est simple en décomité rang continue autoroute mais justement le lot en olobi nanga ke ba homme politique prenons maloba o pas docteur Mukwege. La personne, un collègue politicien, le Kolanga, Mukwege. Oui. D'abord, merci, Pasteur Guili. En tant qu'homme de Dieu, excuse aux mamans. En tant qu'homme de Dieu, tu as présenté tes excuses aux médecins et à la corporation de gynécologie, donc de médecine, les gynécologues. En tant qu'homme de Dieu, tu as dit que tu présentes tes excuses à l'homme, au docteur Mukwege, mais pas aux politiciens. Mais tu fais le distinguo entre l'homme politique, ce qui n'est pas encore, mais bon, entre l'homme politique et lui, le docteur. J'ai coupé parce que l'élément, il fait à peu près une heure. J'ai pris que 4 minutes parce que je n'ai pas envie de m'éterniser dessus. C'est juste un avant, un après. Normalement, j'aurais pu laisser passer ça en no comment. Mais on ne peut pas laisser certaines personnes dans l'ignorance de ne pas savoir le pourquoi est-ce que le docteur Mukwege a eu son prix Nobel. C'est ça, j'appelle ça des demi-excuses. Mais pas de problème. On est des Congolais, on accepte. Mieux vaut ça que rien. On avait demandé ça dans la dernière vidéo. Tu l'as fait, bravo. Le docteur Mukwege a eu ce prix Nobel de la paix à la suite d'un combat de certaines mamans, de certaines personnes, d'un certain lobbying de Congolaises et de Congolais appuyés par les Occidentaux, parce qu'il est un symbole de paix. Être prix Nobel de la paix, ça ne veut pas dire que tu as stoppé la guerre. Ça ne veut pas dire forcément que la paix est arrivée à l'Est. Non. Être prix Nobel de paix, c'est quelqu'un qui contribue à ce qui est la paix à l'Est. Parce que le docteur Mukwege, en soignant les femmes violées, en soignant les jeunes filles, en soignant les traumatismes psychologiques et physiques, il contribue à ce qui est la paix au niveau de l'Est, à ce que les mamans, à ce que nos sœurs, à ce que nos leki, à ce que nos tantes et tout ce qui va avec, puissent pas oublier, pardonner et passer à autre chose. Le docteur Mukwege aide toutes ces traumatisées qui sont à l'Est. C'est pour ça que ceux qui sont le comité du prix Nobel l'ont fait. Ça n'est pas équitable, ça n'est pas juste de dire que ce sont les multinationales qui font ça, qui ont fait tout ça, non. Tous à la, hein, tous à la moins carré, moins un peu logique. Parce que nous tous, qui parlons à la télévision, qui parlons sur Internet, on ne peut pas dire que nous, on a contribué ou qu'on contribue à quelque chose qui va contribuer, qui va aider le Congo à aller mieux. Ce genre de discours, il ne faut pas que ça continue parce que ça emmène le Congo vers une séparation de personnes. Et ici, je tiens bien à préciser le cas, je ne m'adresse pas à l'UDPS, mais au pasteur Guili. C'est un conseil gratuit. Comme je l'ai fait dans la dernière vidéo, je le refais aujourd'hui et après ça, j'en parle plus. Pasteur Guili, le docteur Mukwege n'est pas encore candidat. Même quand on dit qu'il faut défendre son camp par rapport à un autre, qu'on soit au gouvernement, qu'on soit dans l'opposition, les injures, ça ne marche pas. Les injures, c'est pour les faibles. Il faut argumenter. Il a le droit, en tant que tout Congolais, je l'ai dit, tout Congolais a le droit de parler de ce qui se passe dans son pays. Ça ne veut pas dire qu'il est politicien. Ça veut juste dire qu'il a le souci de son pays. Si jamais il décide de se présenter, là, vous pourrez taper sur lui. Donc, s'il vous plaît, un peu de respect pour cet homme et protégez bien le bilan du chef de l'État. Merci.